Oh mon Dieu. Ah, bah magnifique. Au moment où je prends l'antenne, bonjour à toutes et toutes, j'ai le camarade Nainonet qui me répond pour l'organisation de la du commentaire de la promenade. Oui, je... Oh! Pardon, on a un rototo en plus. Ah, ça fait plaisir. Ah, après, il manque plus que d'avoir des nouvelles du copain Funfan par rapport à sa box internet qui a grillé avec l'orage. Yop, cher cousin, merci à toi d'être là. Alors, voilà, que je lance le jeu quand même. Non! Non, tu n'as pas le droit de bugger le jeu. Interdit. Et en plus, il m'a fait sauter mon pointeur de souris, le salopio. Ah, je recommence. Je relance le jeu, on y croit. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est bien, au moins j'ai des... J'ai des infos. Mais non, mais... Ah, il va me dire qu'il a pas aimé que j'ai changé d'écran, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça, c'est pas grave. Ah, suite de l'histoire. Donc, du coup, ce matin, j'étais pas mal barbouillé à mon réveil. Et puis, je me suis fait une bonne grasse mat. J'avais besoin de dormir. J'avais besoin de récupérer du sommeil. Et le temps d'être barbouillé, de retrouver mes couleurs, là. Parce que j'ai dû manger un truc qui est pas passé cette nuit. Ça me pesait sur l'estomac. Et j'en ai profité pour monter une scène là durant l'heure de 10h jusqu'à maintenant. J'ai monté une scène pour cet après-midi la promenade. Donc je suis content. J'ai un petit peu de nouveauté, vous aurez tout à l'heure. Et puis voilà, le temps de démarrer tout doux le jeu. Il est déjà quasiment 11h, pardon. Mais bon, voilà. Hop là! Ah, démarre quand même. Non, la grande question du week-end, déjà, c'est... Il y a plein d'incertitudes ce week-end. Je sais même pas si je diffuse demain ou pas, je sais pas. J'ai l'ami Funfan, là, qui s'est fait cramer sa box internet avec l'orage. On en saura plus dans les prochaines heures s'il peut faire son week-end comme c'était prévu ou pas. Enfin bon. On verra. Allez, où le jeu? Là, je suis fou. Je me ruais sur mon objectif. Je ne sais même pas ce que c'est. Par contre, ici, ils ont la chance d'avoir des routes goudronnées. J'ai souvenir de routes caouteuses. Oh merde, c'est un ennemi. The roof is on fire. Ah. Je sais plus, c'est comme ça que je perds les matos. J'avais programmé de manière assez instinctive mes périphériques de jeu. Donc je devrais pas trop mal m'en sortir. Elle est un petit peu boisée cette zone. Alors je découvre totalement la carte. Hein.
Parce que le jeu, je l'avais testé un peu par le passé. Mais je crois que j'avais jamais atteint de carte voisine. J'avais fait que la première carte un petit peu. Donc c'est cool. Totale découverte. Je sais pas pourquoi j'ai des petits gels de pendant le jeu. On dirait qu'il est à la peine pour charger des données. Bon, heureusement que c'est pas un gel plus conséquent que ça, parce que ce serait vraiment pénible. Ça passe encore, mais bon. Alors c'est quoi mon point de destination? C'est une ville, c'est quoi? Ah, pour le moment je vois rien. Oh, il y a une jolie structure au loin. Sacré pont. Donc pour ceux qui connaisseraient pas le jeu, je me répète, mais je l'estime comme étant un digne successeur de Interstate. La saga Interstate qui a eu plusieurs opus, vous pouvez personnaliser votre véhicule avec des armes pour survivre. Oh la vache, la forteresse! Et une ambiance à la Mad Max, le scénario c'est un truc post-apocalyptique. Il n'y a plus que quelques survivants et son roi en leur domaine, ceux qui ont des véhicules surarmés et qui contrôlent le pétrole quoi. Wow, il y en a du monde. Wow, il y en a de la marchandise. Oh bah je vais vendre ça. Oh, ils ont ces trucs à vendre. Oh la vache. Oh la vache! Oh la pièce d'artillerie! Oh les cinglés! Putain, le truc! Ah, écran de fumée, pas mal! Ah! Réservoir d'essence additionnel, pas mal du tout! Oh la vache, le prix des accessoires! Ouais, la liste peut potentiellement être longue. Hein. Du dieu. Bon, puis il y a les marchandises en dedans. Oh, il est trop beau, la fortune. Ouais, bah répare-moi tout ça. Ouais, si je peux. Oui, là j'ai de la thune, là j'ai presque 7000 de thunes. Je crois que vous ne le voyez pas avec mon habillage de chaîne, je vous le dis, mais j'ai quasiment 7000 en thunes. Donc, cool. Cool, cool, cool. Alors, c'est vrai que le jeu est en anglais. Il va falloir que j'allume mon cerveau, là, pour la traduction. Alors. Non, alors il me propose une carte FedEx, mais je vais peut-être me calmer et pas faire ça tout de suite. Ah, ça c'est le mec qui peut m'aider. Oui, je suis à recherche d'une fille qui se prénomme Alice. Tac, 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 tac. Oui, bon bref, j'essaye de tirer les verres du nez au mec. Il me met en garde, il me dit que la nana est bien entourée d'une bande de bédéis. Et il essaie de me dissuader de partir à la poursuite de la miss. Ah, il me dit quand même, à défaut de me cracher littéralement le morceau, qu'elle est partie vers l'est.
Ah, l'est, il y a une base de bandits. En plus, elle est fortifiée. Oh la vache. Ouais, les bandits ne négocient pas avec autre langage que celui des flingues. Donc il va y avoir du spectacle. Non, attends, pas tout de suite. Bruce. Ah, s'il a du boulot pour moi. Oh là 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 là. Encore une quête FedEx. Remarquez, je peux... Ouais, prendre la mission principale et ne prendre une secondaire. Allez. Go. Je vais faire ça. Quoi? Quoi? Traverser le pont, ça coûte du pognon. Oh les salopards! Oh la vache! F2 je crois, hein, pour la sauvegarde rapide, ouais. Je salue, je sais plus, l'anglais là, ou enfin l'anglais, il parlait pas français. Le week-end dernier, qui m'a donné les trucs et astuces du jeu, qui était adorable. Bonjour à lui. Ah la vache. Bon, bah on va voir jusqu'où la route va nous mener. Encore 4 bornes. Hop, 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 j'ai un port suivant là. Vache, il a un foutu blindage lui. Il va me poser problème. C'est mon équivalent là, j'ai l'impression. J'ai pas intérêt à perdre une seule balle. La vache. Bon, bah je peux retourner à la base. Vu l'état de mon véhicule, c'est la catastrophe. L'autre il m'a bouffé de plus d'un tiers parce que la moitié. C'est un véhicule. Je sens que je vais en baver ici. Il faut pas que j'écrase quelqu'un parce qu'ils sont quasiment sur la route, ils sont fous. Ok, alors je sens que ça va être la ruine. Est-ce que j'ai ramassé quoi? Bah du tas de métal, ouais. C'est pour vous. Ça paye pas mes réparations, hein, parce que... Non, non, je retraverse pas le pont. Et oh, j'ai déjà payé une fois, c'est pas pour partir dans l'autre sens. Ça, c'est quand même vicieux, il faut retenir dans quel secteur on est. Attends, j'ai une carte, non? J'ai une carte. Ah, zone 51. Elle est bonne, celle-là. Non, c'est pas la description qu'il me fallait. Ah, d'accord, c'est le nom de la région Vaterland. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire, je sais pas quand est-ce que je le ferai, il y a l'encyclopédie intégrée au jeu. D'accord, oui, bah oui.
La mission principale, c'est la zone 51, c'est le point jaune. Et la secondaire, c'est la mauve. Tant que j'avance, je vais rouler en fait, parce que il faut que je me découvre la carte. Sans quoi, je vais être complètement largué. Ouais, non, là j'ai besoin de rien. Attends, ma cible principale serait là-bas. Et ma secondaire. Alors attends, voir. Pour le moment, j'ai l'avantage d'être peinard. Pour le moment. The roof is on fire. Merde. Ah oui, il est là. You bastard. Is it the best you can do? J'aime bien les pièces qui giclent. Ah merde, il y en a un autre. J'avais même pas vu. J'ai regardé les débuts sur le côté. Elle mène où? C'est un truc ami ou ennemi? C'est pas un petit truc, hein. C'est copain, d'accord. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vache, la ville forteresse, toi. Je sais pas où je suis. Donc c'est une ville. Waouh, le truc de fou. Un minine. Oh! Il y a un onglet supplémentaire. Alors j'ai un bar et j'ai un accueil de la ville. Je sens que je vais me taper de la traduction. Alors, êtes-vous intéressé par l'histoire de l'architecture? Oui, cette bâtisse m'intrigue, c'est vrai. Quoi, une ancienne crypte? Alors, c'est un monument de grande valeur culturelle et architecturale. Oui, je veux bien que tu me racontes. Merde, bah oui, du coup, oui, non. Ok, la mission, je veux la voir à part sur le radar. D'accord. C'était une mission déguisée, en fait. Oh, oh la vache! C'est quoi ces armes? Oh mon dieu! Et ils vendent quoi sinon? Ouais, 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 c'est toujours les mêmes articles, j'ai l'impression. Hein. Ouais.
Je ne sais plus ce que je vois. Bon, l'essence, ça va encore. Mais alors, les réparations, c'est un chien. Eh, c'est chiant, hein, parce que pour le moment, je suis déficitaire. Ça me gave. Voilà, non, 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 non. Alors là, c'est carrément une mission punitive. Il me demandait de flinguer tout un groupe d'ennemis. Non, non. Puis j'ai déjà une quête secondaire. Il proposait carrément des camions avant, je crois. Remarque, j'aurais le pognon pour l'acheter. Oh la vache. Ah, est pas mal. C'est quoi ça? Ah, résistance au... D'accord. Ah, il est plus fragile celui-là, mais il est plus gros. Je peux changer la couleur. D'accord. Oui, il propose de l'ori. Ah, 6500, j'ai 6600 et quelques. Mais... Et encore, je pense qu'il n'y a pas la ristourne de la revente de mon précédent camion. Mais je sais pas si... Je regarde les emplacements des flingues. Ouais, je peux peut-être en avoir un au-dessus, hein, sur la partie bleue, là. Bah, qui tente rien à rien, allez, je vais l'acheter. Ah, il est pas top. Bah, j'ai plus de place, mais... Ouais. Bah, un camion. C'est un camion. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai le détail. Ok. J'aime bien la tronche du camion. Alors, attends. Je sors sur le côté. Donc la secondaire, c'est mauve, je crois. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Effectivement! Mon blindage est pas du tout de même niveau. Là, j'ai doublé ma taille de blindage. Oh la vache! Je suis impressionné. Ah, du bois, ouais, bon. J'ai récupéré autre chose, mais j'ai pas... Peut-être apparemment un canon, mais sans refroidissement. Si j'ai bien lu, hein, rapidement de l'anglais, mais... Alors, attends voir. Je fais mes réparations. Ouais, là, j'ai plus que 1300 en thunes. Oh merde! Je venais de me réparer, vous êtes naze! C'est scandaleux! Alors là, je fais l'idiot me coller à l'ennemi, mais je pense qu'à un moment, il faudra que je cherche à
à me planquer des tyrannies parce que je suis en train de me faire démonter. C'est n'importe quoi. Donc, je me répare, mais ça clignote rouge là, je suis quasiment mort. Je suis ruiné. Les réparations m'ont coûté 1000 balles. Ah merde. Attends, est-ce que je peux revendre de la marchandise là? Ah non, ils achètent pas, je crois, non? Ah si? Non, je sais pas. Quoi, pas pour vendre? Ah oui, parce que oui, non, je suis dans le dans la prout-prout là, je suis dans la station service. Non, bah faut que je retourne d'où je viens. Alors mes opérations sont toutes sauf rentables pour le moment, ça craint du boudin. Je vais finir sur un game over ruiné. Le mec qui a mal géré la guerre. Oh là là, la misère. On me demande si j'avais pris la route en terre là, si j'allais pas vers mon objectif secondaire, la livraison de je sais plus quoi. Oh merde! Oh, l'arrivée du camion! Alors. Oui, c'est pas grave, oui, c'est du bois aussi. Oh la vache. Eh, c'est les résidus de métal qui me rapportent plus de fric. À 350, là je suis repassé à 1742. Ce qui est un poil rassurant. Quand même. Mais dur. Dur, dur. Le jeu m'a l'air vachement bien équilibré. Tu as un mal de chien à faire fortune. Je vais essayer le chemin en terre. Le chemin en terre m'intrigue. Ah. Je vois quelque chose par là-bas. Ça devient désertique là. J'aimais bien la verdure. Verdure revient. Hop 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 hop. Just a scratch. Et il m'allume pas mal le truc. Hein. Zone ennemie? Merde, y a du pop. It's showtime. How dare you? Eh bien, j'ai eu le temps de l'allumer avant qu'il ait le temps de me trouver et de me tirer dessus. Où ça va être chaud là.
Non, là, là, il faut que je joue avec le décor. Là. Hop, 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 hop. Chaud, chaud, chaud. Pas dit que je m'en sors. Putain, il se casse forcément, il a des boules. Il sait qu'il va y passer. Merde, je suis à découvert. Rest in pieces. Rest in pieces. Reste en pièces. Il est où l'autre, il est là. Wouh! Bon bah... Non, il n'y a pas de colis là dans les médias. Je vais rebrousser chemin parce que vu l'état du véhicule... Oh là là, de la difficulté de progresser. Oh, comment je fume. Here I am. Oh non, 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 là je suis dans la merde. Ah non, c'est abusé. Next. Bon, en même temps, ils sont morts. J'ai pas l'impression qu'il y avait des matos. Faut surtout pas qu'il y en ait d'autres qui apparaissent parce que là je suis foutu. Ah non, il y avait pas de matos. Bon bah alors. Vite, je me barre. Courage, pillon. Ouais, ouais, c'est ça, l'ambiance Interstate. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est son digne successeur. Mais il est exigeant, il est je le trouve plus lourdingue, plus balèze que Interstate. Interstate, tu veux, t'avais un côté plus divertissant. Bon, c'est vrai qu'on y jouait souvent en mêlée, on avait accès à tout de suite dans l'arène de combat en multijoueur. Mais même le mode scénario en solo, j'avais pas souvenir que c'était aussi balèze là. Là, je suis obligé de rebrousser chemin, je peux pas accomplir mon objectif même secondaire. Parce que je suis dans un état déjà lamentable. Donc faut que je retourne revendre mon matos, me réparer avant d'y retourner. Merde, je suis con, j'ai loupé. Mais elle est là-bas, la cité. Ah, je fais des bêtises. Faut vraiment que je reprenne mes repères, moi. Attends, j'ai un truc qui me fait mal. Voilà. Pardon. J'ai un mauvais accoudoir là, je suis en train de m'exploser le coude. Voilà, je suis à 2500, mais les réparations... Ouais, tu parles quasiment 1500. Ah non, là, j'étais perdant. Là, j'ai perdu de la thune. J'ai perdu de la thune. Ah, Medoum. Je dis Medoum. Oh, tant de chiottes. C'est la nuit. This is your night. Une pensée pour Digitonka. J'ai écouté son titre Night cette semaine. J'adore ses compos à Digitonka. This is your night. Très mélodieux, très enjoué. Je vous les recommande. Bon bah je vais couper à travers route, hein, crotte. Parce que sinon j'ai jamais atteint mon point de destination. Je me demande si c'est pas là-bas, tu vois. Oula, faut que j'aille doucement parce que les amortisseurs, c'est goops. Oula, j'aime pas la... Oula, la pente est...
Un coup à renverser le camion. Mais on est où là? C'est quoi? Quoi? Ah, c'est le mec dans la ville qui était archéologue et tout le bordel. Oui, je savais pas qu'il avait embarqué avec moi. Il aurait pu mourir par ma faute. Ok. Il restera ici dans les anciennes chambres. Ok, à plus mec. D'accord, j'ai reçu 350 pièces. Bah, il m'a donné un pourboire, le gars. Ok, je vais pas franchir cette montagne. Attends, je vais sauvegarder du coup, parce que je me laisse surprendre par les quêtes du jeu. Ah, il faut que je fasse gaffe de pas accumuler trop de sauvegardes, parce que on m'avait fait comprendre que le jeu plante et ralentit à mort au bout d'une vingtaine de sauvegardes. Il faudra que j'en supprime quelques-unes. Est-ce que je peux contourner là? Bonjour Elogir. Moi c'est gentil. Non mais je suis pas désolé, c'est très gentil à toi de penser à faire un coucou. Ah ah, bonjour à toi. Ça va, ouais, ça va. Je suis un peu barbouillé aujourd'hui. J'ai mangé un truc qui est pas passé cette nuit, qui m'a pesé sur l'estomac. Donc, j'ai un peu siégé sur le trône ce matin. Le temps de reprendre des couleurs, je voulais pas prendre mon direct tout de suite en étant un peu palichon. Je me suis monté une scène pour ce soir, la promenade. J'ai un nouvel habillage, ça va changer un peu. Et puis voilà, j'ai démarré mon jeu un petit peu avant 11h, quoi, il y a pas une heure de ça. Mais sinon, ça va, merci, un peu de fatigue, la normale, quoi, rien d'alarmant. Toi, j'espère que ça va bien aussi, Elogir. Mais t'as bien raison, hein, faut savoir se faire plaisir. Hein. Faut savoir se faire plaisir et je cherche mon chemin. Je cherche mon chemin en pleine nuit. Qu'est-ce que c'est que cette formation rocheuse? Putain, la carte, elle est bien dessinée. Je suis coincé. La bouffe est de moins en moins saine, j'ai l'impression. Parle pas de malheur. Parle pas de malheur, Elogir. Oh là là. Wow! Wow, wow, wow! Des dangers du relief. Ma cible est là-bas? À 1 km? Putain, mais c'est une enclave, c'est pas possible. Là, c'est un canyon, je peux pas descendre, je vais me cracher. Et j'ai limite l'impression de faire un simulateur de 4x4. Bah merde alors. Attends, sur la carte ça donne quoi? Là je peux pas zoomer. Ah ouais. Ah, c'est le continent sur lequel je me trouve, enfin dans le pays. D'accord. Ah, c'est les contrées. Dès que j'ai les contacts, j'ai les contrées. Non, c'est pas un jeu coop. C'est pas un jeu. Enfin, je crois pas. J'ai pas vu comme étant un jeu coop. Et le gear. Non, la mine est honnête. Je vais la retrouver tout à l'heure. Il me rejoindra à 18h sur mon antenne pour commenter notre promenade. Donc si t'es intéressé, hein, je te donne l'info, je démarrerai timidement le débrief de la promenade, la vidéo, à partir de 17h30, pas avant. J'avais dit 17h, mais le temps que les gens arrivent et s'installent. Et moi, la grande question, c'est FunFan. Ouais, tu déconnes, mais je refuserai pas une aide multijoueur. Et mince. Ah, je sais plus, je voulais dire un truc, voilà. Bref.
Mais punaise. Oh merde, il y a de la compagnie. Je me suis fait repérer. Ah putain, c'est encore un camion, je vais me faire allumer à mort. Oh là là. Je le pousse dans l'eau. Va mourir. Va mourir dans l'eau, toi. Mais c'est n'importe. Elle ne dit pas qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ouch. Oh, ça craint du boudin. C'est dingue, j'arrive pas à savoir comment je fais pour atteindre ma cible. Oui, la box, oui, sa box a cramé, ouais. Là, la box à Funfun a cramé, et puis j'aimerais savoir ce qu'il en est. Mais je pars pessimiste, en fait. Il avait dit qu'il essaierait de passer dans une boutique aujourd'hui pour avoir une box de secours. Mais, je sais pas pourquoi. Enfin, ça tient qu'à moi, hein, mais je la sens pas. J'ai l'impression qu'il va pas pouvoir diffuser du week-end, voire au-delà. Et ce serait dommage, parce que... Normalement, mardi, il est censé jouer en duo avec Aerostar sur Resident Evil 5 et ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est un excellent tandem. Il joue vachement bien à deux, la mayonnaise prend et c'est cool. Alors, la baston dans les bois, je ne suis pas pour. Je ne vois pas mon ennemi, je suis dans la merde. C'est pas un aéronef quand même. Ah, c'est un tracteur. Oh, c'est un tracteur qui a été modifié, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est un étang, je vais pas rouler dans l'eau. Ouais, bah ouais. Ouais, non, franchement, excellent. De voir Aero et Funfun coopérer, franchement excellent. Here I am. Je me réjouis des épisodes futurs. Merde, j'ai pas rechargé mon flingue. C'est quoi, c'est un petit ou c'est un gros? Parce que ça a l'air d'être un petit, je pourrais éventuellement me confronter. Ah, j'arrive pas à rouler. Ah, ça prend des airs de Mass Effect. On se croirait sur la lune. Hop. Non mais mon excursion va mal se finir là, c'est pas possible. Ah, je suis sur les sommets, alors 2 km. Est-ce que je peux pas... Mais non, c'est un canyon devant moi, je peux pas. Oui. Ah, ah non, c'est peut-être pas un canyon. J'ai rien dit. Il y a des pentes douces. Non mais je vais arriver à destination, je vais être mort moi, c'est injouable mon truc. Oh merde, je retourne le camion. Non. Ah mon dieu. Promenade le long de la rivière. La Meurthe, cette fois-ci la vidéo. Mais j'ai mieux filmé que la fois précédente. Et j'ai quoi? J'ai un peu plus de 5 heures de vidéo, donc on va couper en deux. Surtout qu'il faut que je donne un max d'explications. Rien qu'à l'aller, j'ai eu une discussion non-stop avec Nainonet, vachement intéressante. On a parlé de pas mal de trucs. Et il va falloir que je fasse des pauses et que je donne des compléments d'informations. Donc on va faire juste l'aller aujourd'hui on va dire en 3 heures de direct. Alors, je couperai, tant pis, je reprendrai une autre fois si Funfun reprend son antenne ce soir. Mais je t'avoue que j'y crois pas trop. Mais... Sinon, j'irai jusqu'au bout de l'allée, les 3 heures et quelques minutes. Ce soir, je déborderai, c'est-à-dire, non, j'aurais dû rendre l'antenne à Funfun à 20h. Donc, j'arrêterai la promenade vers 21h, je pense. Et si Funfun ne devait ne pas diffuser. C'est moi ou c'est un mur invisible?
Je fais face à un mur invisible. Merde, c'est un poil frustrant. Alors, attends, il faut que je sorte de mon pétrin. Du coup, je suis complètement largué. Merde, j'ai changé de caméra. Oui, alors attends, il faut que, voilà, que je resume sur ma région. Ouais, non, il faut que j'aille à la gas station. Ouais, voilà, je me mets un objectif sur la carte parce que. Faut que je puisse repérer la station d'essence et avoir au moins mes réparations. Tant pis pour moi, c'est de la pure perte. Mais non, mais c'est un lac! Ah! Il faut que je contourne le lac? Oh putain, la vache! Et c'est là où j'éteins l'incendie du véhicule, on se rend compte que c'est un submersible. Je ne le ferai pas parce que je devine que ça ne fonctionnera absolument pas. Vu mon véhicule, il est tout sauf étanche. Oh non! Et moi je joue, je suis une tanche. Comment ça mon fessier sur l'herbe? Non mais dis donc, grossier personnage. Merde, y'en a un autre. Ah, j'en avais vu que deux. Salopards. Salopards qui m'ont bien allumé. Putain, mais non, mais je suis obligé de faire le Paris-Dakar, là. Allez, allez. Alors, j'ai bien fait de changer de camion, parce qu'en changeant de camion, j'ai gagné en motricité. Et ça, j'aurais pas pu le faire avec le précédent bolide. Ça aurait été mission impossible. Je vais renverser le camion. Vogue la galère. Ah, je suis plus qu'à quelques mètres. Alors. Oh là 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 là, ça va me coûter une blinde. En plus, les trucs, je vais pas pouvoir les vendre. Ouais, bah je suis ruiné, il me reste 267 pièces. J'adore. Et ma marchandise, c'est quoi? Est-ce que je peux pas vendre ici? Ah, quand même. Ah, c'est pas... Je roule pas sur l'or, mais bon. Ah, tiens, il fait jour, subitement. Oh non, mais non, mais non, mais j'ai un lustique qui vient me rendre visite. Pas qu'un, d'ailleurs. Mais arrêtez. Du coup, la ville, je sais même plus où est-ce qu'elle est. Je suis perdu, les doigts dans le cul. Non, on n'a pas refait de l'Euro Truck Simulation. Par contre, tu sauras que Christella, à terme, va nous rejoindre. Elle pense faire l'acquisition de la version américaine sur laquelle on joue Ninonette et moi. Et à terme, elle nous rejoindra, Christella. Quand elle m'a avoué son projet, j'étais en joie. Ça va être cool. Ça va être cool. Et moi, on verra, dès qu'il y aura une promotion, je serai tenté de... Voilà, pour le coup, Christella, dans un premier temps, ne pourra pas nous suivre, mais... Je serai tenté d'acheter deux extensions. Les gadgets en cabine pour faire quelque chose d'agréable pour vous avoir dans la cabine quand je pilote. Et l'état de l'Oregon. L'état de l'Oregon me plaît beaucoup. Et comme c'en est un limitrophe des trois états offerts avec le jeu de base, je dirais pas non. Parce que là, je crois que ça coûte 12€ l'extension d'un état américain. Alors, il y a du boulot, hein, c'est justifié. Mais... Ah, il faut que je fasse demi-tour pour retourner à Minin. Je vais peut-être aller à Minin, moi. Et la session Oregon, je pourrais faire avec Ninonette, puisque Ninonette, il a toutes les extensions. Il est fan du simulateur. Et...
Et dès qu'il y a du nouveau contenu, il l'achète dès qu'il y a une petite promo. Merde, faut que je recharge mon flingue. J'ai failli commettre une erreur stratégique majeure. Ah oui, c'est la... Ok, c'est la forteresse qu'on voit au loin. Ouais, trio sur la route qui va peut-être devenir grand plus tard. J'ai énoncé l'hypothèse que plus tard, on sera peut-être un énorme cortège. Ce serait génial. Ce serait génial. Ah, oui, Dieu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il est à fond dedans. Ah bah son kiff à lui, c'est les Edge of Empire et les Truck Simulator. Ouais. Ah, c'est bien, chacun son truc. Regarde, moi c'est Minecraft et les bibis. Ah non, les bibis, c'est récurrent sur la chaîne parce que je le fais avec vous. Mais non, Minecraft, c'est vrai que Minecraft c'est mon jeu. Oh, ça fait 10 ans, je... Et je me vois pas en désamour de Minecraft jusqu'à ce que je quique pour de bon dans la tombe, le plus tard possible j'espère, mais c'est dire. Non, non. Minecraft c'est pas un jeu, c'est le jeu. Ouais, non mais c'est vrai, pour revenir à ton propos, le Gear, ouais, il est à fond là-dedans, Nine Honnête, et c'est cool quoi. Alors, j'ai souvent été en vocal qui joue à leur Edge of Empire, je connais... Ouais. Mais j'aime bien voir aussi Ninonet et FunFan jouer à Edge of Empire. Parce que je sais que ça va être une atmosphère posée. En plus, la musique du jeu, elle est sympa. Et... ça me bouffe d'être en situation d'échec dans mon jeu, là. De pas trouver l'endroit. C'est trop bizarre. Tant pis, je vais faire de la route, je vais essayer de découvrir les routes que je connais pas. Et... quand ils jouent à Age of Empire, j'aime bien l'ambiance musicale, c'est posé, c'est... Oh merde, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, dis donc. Je sais pas si le noir c'était de l'huile, mais... Oh la vache, je me suis laissé surprendre. Voilà quoi. Et une pensée pour Bastos qui est en train de bosser aujourd'hui, dont j'ai essayé de résoudre les pépins hier sur son, dans sa coulisse de sa chaîne. Un mystère, franchement un mystère, parce que quand j'ai voulu régler son OBS et qu'il y a son périphérique casque qui a été subitement soustrait de la liste des périphériques dans OBS quand j'ai voulu revenir le resélectionner, j'ai pas compris. Dans son gestionnaire de périphériques Windows, il y avait bien le listing, il n'y avait pas de souci. Mais OBS, le périphérique de son lui a dit dégage, je veux plus de toi. J'ai jamais vu ça. Donc j'ai apporté quelques petites nouveautés pour son antenne, mais son problème d'alerte, j'ai pas pu le résoudre, j'ai pas compris. Oui, bah tu y reviendras chez Bastos, t'inquiète pas. Tu te remanifesteras à lui, va. Alors attends, que je regarde la carte du coup. Parce que je découvre la région. Hein. Ah, c'est dégueulasse! Il va falloir que je repaye pour retourner de l'autre côté. Oh la vache! Ah, c'est pour ça que j'y arrive pas! C'est parce que c'est de l'autre côté la quête. Alors j'aurais peut-être pas dû en fait traverser le pont et rester sur le flanc ouest pour le début. D'accord, je comprends mieux.
Alors, je vais sauvegarder. Attendez, je vais faire un tri dans mes sauvegardes déjà. Je vais essayer de faire la mission principale de la zone 51, mais à mon avis, je vais me faire descendre en flamme. Et sinon, tant pis, si je suis perdant, j'essaierai de... De faire la mission secondaire d'abord. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais essayer d'éviter d'avoir trop de sauvegarde. Voilà. Pour pas que ça plante, ce sera très bien. La route là, elle mène où? Ok, la route s'arrête. Par contre, je pointe à fond les ballons vers le... la zone ennemie qui est la zone 51. On va voir. Putain, je suis déjà des cascades avec le camion. Attends, excuse-moi, je vais te lire et le gear, j'ai vu que tu m'avais écrit un truc. Oh merde! J'ai de la visite! Putain, mais vous êtes chiant. Il est où l'autre? Ah, il est là. Ah, il est coincé dans les arbres, go ni go. It's just a scratch. Ah, il a détruit l'arbre. C'est scandaleux. Ah, je récupère du matos. Alors, OBS, j'ai l'impression faut un bac pour ce truc. Ouais, galère de ouf. Bah, c'est technique. C'est technique, ouais. Il faut réussir à adhérer à la philosophie. Wisebot, c'est pareil, que j'adore. Le robot que j'adore, Wisebot. Il faut... Oh! Merci pour le relais de chaîne, Devil Olive. D'ailleurs, j'ai un doute. Est-ce que j'ai mis mon son, moi? Je suis pas sûr d'avoir mis les sons. Ouais, excusez-moi. Je crois que j'avais zappé le fait de mettre les sons. Bonjour, Devil Olive. Merci pour le relais de chaîne. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. T'étais sur quoi? Mais en attendant, je termine de répondre à Eloguir. Ouais, il y a les outils pour diffuser, c'est vrai que c'est technique. Il faut prendre le temps de se l'accaparer et d'essayer de maîtriser. Le pire, si t'es vraiment largué, il faut essayer d'avoir un bon copain, quelqu'un qui accepte de te former et de t'aider, quoi. Ouais, c'est particulier. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Yep. Ni no Kuni, il faudra que je regarde tes reliefs. Parce que je connais pas le jeu, pardon. Le Ni no Kuni, je connais pas. Merde, il y a du monde. J'ai des poursuivants. Oh. Ah, gare la descente. Le relief est bien escarpé. Ah, j'aurais pas dû accélérer. Je vais perdre le contrôle du véhicule et le bousiller. Hop, hop, hop. Oui, bah merci tout plein. Bienvenue à vous. Pour faire une rapide présentation, univers à la Mad Max, mon jeu, le Hard Truck Apocalypse. C'est un digne successeur de la saga Interstate, selon moi. Mais voilà, ambiance à la Mad Max, il faut que je survive dans un milieu post-apocalyptique avec mon camion bardé d'armes. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cet endroit, quoi? On est d'accord que c'est trop profond, je peux pas traverser. Je vais la tenter, mais j'y crois pas. Ah si, je peux, mais je me suis fortement endommagé. Ah, intéressant ça. Ah merde, c'était un... Ah, je suis mort. Je suis mort. Non. Ou alors je coupe à fond. Je vais pas survivre.
Oh, c'est hyper profond, j'avais pas vu, je suis mort. J'avais pas vu la profondeur. Voilà, ma première mort dans le jeu, dis donc. Eh ben. Ouais, chargeons la dernière sauvegarde. Oh ma zette. Ah. The roof is on fire. Bah tu parles. Pour une fois que c'est moi qui les repère et pas eux. Is that the best you can do? Alors. Essayer de traverser la zone à nouveau. Je fais des bêtises. Get ready to rumble. Oh non. Il y avait un loustique sur la route. Non, je vais me barrer. Je vais me barrer par là-bas. Oups. Voilà, j'appuie sur plus rien. Je laisse le camion partir. Roue libre. Hop là. Trop dangereux sinon. Mais je pense que le jeu à terme, il faudra que je me la joue vachement stratégie. Alors évidemment j'ai le matos, mais qu'on appelle ça. Finement planifier mes assauts, quoi. Alors attends, la cible est par là-bas. Je serais peut-être bien d'essayer de traverser qu'un bras de mer au lieu de deux. Oula, j'ai eu un petit gel. Ah oui, j'étais en train de me dire, j'ai pas fini de grignoter mon petit déj. Je savais plus où j'en étais dans mes biscuits, moi. Oups là! Ah, il y a un pont. Il y a un pont. Ok. Ne me dis pas que... Ah non mais je suis cerné là. Je suis à la jonction de deux affluents là, c'est pas possible. Je suis dans la mouise. Pareil, si j'essaie de retraverser ça, je suis mort. Ah ouais, c'est trop profond. Non bah je suis mort. Je peux pas. Ah la vache! Non mais il faut rester sur la route, il n'y a pas de secret. Faut que je reste sur la route. Et merde. Alors... Je tombe. Leur marchandise. Oups, j'ai roulé sur un débris. Oh merde! Oh merde, alors lui il est chiant, c'est un gros camion. On va mourir! Non, tu m'auras pas! Salibo! Faut bouger à mort, il m'aura pas! Pas mal ma technique, pas mal! Je m'en sors bien, je trouve. Ouais, ouais. Faut vraiment pas rester fixe, hein. C'est logique. Nickel.
Nickel, nickel, là je m'en sors bien. Voilà, conditions de survie, bouger, 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 bouger. Quoi? Ah oui, j'ai plus que 12 de ouais de thunes. Non mais faut que je vende mes marchandises. Là je suis ruiné mais j'ai pas vendu mes marchandises. Oui bah je vais aller dans la forteresse. Oh non 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 non. Faut que je le tienne en haleine, lui. The roof is on fire. Damn. Alors, temps de recharger, je regarde où est la route. Show no mercy. C'est ça. Je sens merci. Ah merde, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Non, il n'y a pas de doute, il me cherche. Show no mercy. Is it the best you can do? Ils sont combien? Oh là là, cette guerre. Mais cette guerre. Oh oh oh! Allez, bouge, 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 tire, tire, tire. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais non, mais vous êtes pas sérieux, les gens. Oh non, mais une fois que c'est un autre camion, je vais pas m'en sortir, moi. Oh non, c'est un plus léger. Enfin, si, c'est un camion quand même. Oh là là! Mais cette guerre, mais c'est pas possible. Oh là là! Dur! Mais j'ai plus de place! Alors ça, ça vaut rien apparemment, donc je vais prendre les trucs qui valent de la thune. Oh là là. Non mais même là, j'ai de la marchandise partout, je peux même pas la prendre. Il me faudrait un convoi. Mais non, mais merde. Alors, 110. Bah déjà, celui-là vaut plus cher, alors. Excusez-moi du peu. Ah bah, ça vaut plus de thunes, alors. Alors, on va faire un test. Je vais aller vendre en ville, mais à mon avis, la marchandise aura disparu. À moins que ce soit comme dans Minecraft, vous savez, il y a un délai de quelques minutes avant que la marchandise disparaisse au sol. Oula, oula. Oui, je klaxonne parce que... J'ai loupé mon entrée dans la ville. Je ne maîtrise plus mon véhicule. Au secours. Alors là, je peux rien réparer, j'ai pas de thunes. Faut que je vende le matos. Ah, j'ai presque 3000. Voilà, là je me refais des couleurs. On y retourne, alors je ressors de la ville, est-ce que le matos est encore là? Je ne pense pas honnêtement. Mais on va voir. Voilà, il dit que c'est le matin. It's evening, donc à mon avis, le temps des réparations, l'horloge a tourné et le matos a dû être revendiqué. Attends, je retourne sur le lieu de la bataille, mais j'y crois pas. Ah!
Ah si. Si, si, je récupère des choses. Oh! Je suis agréablement surpris. Ah ouais, j'ai récupéré le matos que j'ai pas. Bah je vais aller le vendre. Ah ouais, bon, bah bien. C'est apprécié, comme on dit. Il est bien, hein. Il coûte cher mon truc à moi. Il faut pas que je leur vende. Putain, mais les pièces d'artillerie, quoi. Oh là là. C'est du matos de navire, ça. Oh, il est fou. Il est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas faite, c'est de faire le relais d'une ville à une autre. Quand il y en a qui sont vendables, ça, il y a une moyen de se faire de la thune apparemment. Je demande pas d'autres quêtes puisque j'ai pas réussi à honorer ni ma principale ni ma secondaire. J'ai pas l'air idiot. J'ai pas l'air idiot. D'ailleurs, prise de décision en remettant la carte, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais essayer d'aller au-delà de Minin, je vais essayer de voir ce qu'il y a au bout, mais je pense que c'est l'autre région, c'est ça? Ouais, je vais arriver à elle. J'essaie de prendre cette route. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est un barrage ennemi, ça, non? Ah non, c'est le truc que j'ai explosé la dernière fois, c'est vrai. C'est plus que des ruines, le machin. C'est vrai, c'est vrai. Eh non, c'est. Alors, ça, c'est un grand panonceau pour dire que je sors de la carte et je vais dans une autre. C'est pas mon objectif. Eh ouais. C'est pas mon objectif. Attends, ça c'était une route, c'est quoi? Y a pas quelque chose derrière le bois là? Je vois un grand rocher. Oui, c'est une route, ça. Elle mène où, la route? Alors là, pareil. Ah, ouais, d'accord.
Alors, si je peux rejoindre l'autre partie de la carte sans payer un péage, ça m'arrange. C'est beau! C'est beau, c'est beau! C'est simple, mais ça me plaît beaucoup. Ça a de la gueule. Bon, ça manque de verdure, mais ça a son charme. On dirait une ancienne casse automobile. Attends, ce serait une route qui dirait pas son nom? Non. Trop étrange. Ok. J'ai pas compris la physique du véhicule là. Oh, c'est un mur invisible, ça. Ok. Bon, on va pas. Hein. On va pas tordre le bras au jeu. On n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour faire une tentative de out-of-bound, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une tentative de sortie de la carte physique. C'est pas le but du jeu. Donc, je suis à trou perdu. Je l'ai dans le U, on pourrait compléter la rime. Je suis condamné à faire machine arrière. Enfin, pendant un instant, je me suis demandé, mais c'est une deux chevaux qu'ils ont modélisée ou. Bon bah ça roule tranquillou, peinard pépouze. Là je stagne pas mal dans ma carrière là dans le jeu parce que. Autant le week-end dernier, j'avais la première carte, on va dire, d'introduction. C'est bien passé, c'était bien rythmé. Là, oui, je suis en galère. Faut que je prenne mes repères, que j'essaie de pas me faire trop allumer. Qu'est-ce que je disais? Get ready to Alors, ma run. marche arrière est beaucoup trop lente. Il faut vraiment que je fasse de la marche avant. Sans quoi le gars il va me tuer. C'est pas évident hein. Avec le clavier souris de. Essayer. Merde! Ah putain, j'ai percuté un arbre! Oh cette déforestation sauvage! Et lui il est bloqué dedans! C'est bon ça? Hop, je récupère la marchandise au passage. Oh cette déforestation! Yeah! Stylé! Mince, pardon, j'ai donné un coup à la souris. Ouais, bonne app! Bonne app, merci cousin. Bonne app à toi aussi. Bonne pause, à tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je précise qu'en début d'après-midi, je ferai du Minecraft. Here I am. Oh merde. Puisque je sais pas si je diffuse demain. Je veux ma dose de Minecraft, donc je le fais maintenant. Il n'est pas dit que je puisse diffuser et jouer demain. On verra. No. Alors, monsieur, no! Avec un joli vol plané, avec merde, de la marchandise et un confrère que je n'avais pas vu que je dois trucider. Voilà, c'est débile, je m'expose là. C'est bon, c'est bon. Oh merde, la carène qui m'en tombe dessus.
Ouais, bah je retourne dans la ville. Quand tu habites un ville, que tu viens de nulle part. D'ailleurs, tout à l'heure, Minecraft, je vous ferai pas de l'exploration, mais de la construction. Je serai plus dans une phase de construction. En ce moment, je suis motivé à bâtir pas mal de trucs. Oui, c'est bizarre l'entrepôt pété à côté. J'avais pas fait gaffe à l'entrepôt explosé. Here I am. Non, mais j'arrive en ville, tu vas pas me mener un assaut. Mais il est fou, le bandit là. Ce bandit est fou. Ouais, non, mais c'est le même usage pour moi. Alors, les réparations. Eh, pas mal, je me refais des sous-sous. Je suis à 3000 et quelques. Non, je reviendrai plus tard. Je vais repayer le barrage, tant pis. Je vais repayer le barrage pour partir dans l'autre sens. Et je vais découvrir l'autre côté de la carte. Enfin, l'autre côté de la carte. Le côté ouest. Ouais, je vais faire une sauvegarde rapide. Oups. La sauvegarde rapide, ça gèle le jeu. Ah, ça lui demande trop de ressources. Il fait un 2-3 soleil. Ah, on est reparti sur la même route, mais dans l'autre sens. Courage. Alors, la musique du jeu est bien sympatoche, mais je serais à la limite de passer ma musique à moi. Enfin, musique à moi. Pas forcément mes compos, mais musique libre. Dès que je suis dans un menu, en fait, je le fais parce que sinon le jeu va planter. Si je le fais en pleine partie, mais. Voilà, on s'est offert une heure de musique d'ambiance du jeu. Et passer à autre chose serait pas une mauvaise idée. Aïe 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 aïe. Si je me fais pas attaquer par un groupe de bandits, j'ai du vol. Alors, je peux éventuellement, mais là j'ai rien, je crois, à part le fait de refaire le plein. Allez, ouais, je vais passer de l'autre côté. Là. On va faire l'autre carte. Là, pour le coup, je vais sauvegarder en dur, en vrai. Ah oui, j'avais dit que je mettrais la... On va mettre de la bonne transe. On va me dire si c'est trop fort ou pas. J'écoute pas leur cours.
c'est vous qui me direz. Non, pas ça. Là, j'ai un moucheron qui m'agresse, n'importe quoi. C'est pas conduire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Moi j'ai reçu de la thune. Asgard, ok. Ah oui, c'était la quête, c'était ma cible, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. Ah, c'est cool, je vois la ville. C'est cool, hein, ça. Alors, c'est nous voyageurs, c'est du boulot. Plusieurs bateaux, c'est la compétition de PA pour haut. Ma paye était plutôt conséquente. Attends. Ça m'a l'air d'être vachement loin, je suis perdu. Ok. On repart dans l'autre sens. Alors cette fois-ci, je vais aller plus vite qu'eux, hein, parce que... Ils sont un peu à la traîne, les Mickey. Bon, puis c'est pas comme si je voyageais à vide. Endommagé, je suis intact. C'est la classe quand même. Ah.
sur ma route, moi. Perdu par la géographie des routes là. Je suis perdu là. Ok. Oh non. Mais d'où est-ce qu'il est apparu lui? Lost, oui, a perdu. Ah oui, c'est complètement perdu. C'est bizarre parce que je suis en train de venir avec tout le flanc est qui est... J'ai quasiment rien de la carte, en fait. Je suis en galère depuis une heure dans le jeu et j'ai quasiment rien de la carte. J'ai qu'un tiers, j'ai la tronche. Bof, ouais, 200 c'est mal payé, je trouve. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, il faut les exploser, les ennemis. Ouais, pour tout le monde. Ah, c'est scripté en fait. Merde! Excusez-moi, j'ai cliqué là où il fallait pas. Ah bah là, il y a pas de la marchandise. Ah bah c'est sympa, c'est cadeau, je vous revends immédiatement ce que j'ai récolté des ennemis. Si c'est pas beau ça. Allez vous, ça me fait de la thune. Ça sert plus, je crois, comme on dit. Oh, pas non plus l'heure. Je me demande si je vais pas me préparer du miam. La prochaine halte dans une ville, je vais commencer à me foutre de l'eau là dans la marmite pour manger des pâtes. Comme ça je vais pouvoir anticiper. Ah oui! Ah j'ai un bug avec la souris, merde! Merde, merde, merde! J'ai l'écran secondaire qui voit le curseur bouger en même temps. Donc c'est pas cool. Here without you on my own.
tourne autour, il est pas content, il peut pas m'atteindre. Je l'ai eu, les coups de bol. Ah merde, mais je quitte pas là où il faut. Il faudrait que j'ai le curseur là et que j'en mette le jeu. Pardon, je suis désolé. Oula, pour venir sur la route sans encombre, c'est une autre affaire. Alors, la carte du coup. Ouais, mais j'ai plus d'objectifs en soi, moi. Par contre, il y a une route que j'ai pas empruntée. On va continuer parce qu'il y a une route que j'ai pas empruntée. Faudrait que j'aille à gauche. Ce serait la route 3. Apparemment, il tente rien à rien. Hop. Faut que je bouge. Ah, je vais pas y arriver, j'ai perdu le focus. Je suis navré. J'ai perdu le focus du jeu. Oh la vache, il avait littéralement un meilleur blindage que moi, le gars. Heureusement que j'allume mieux que lui de Manum. Oh non, bah si on a un deuxième, je suis mort. I will survive or not. De blindage. Je te tourne tout. Turn around. Oh mais non, mais oh là là. Je sais pas à quel moment j'ai déclenché le bug en sortant du jeu de manière pas conventionnelle et il a pas aimé. Bon bah ça va, je me bats plutôt bien. Enfin, si je clique dans l'écran principal, comique, là je suis en train de devenir fou. Mais ils vont arrêter de me mettre une légion d'ennemis là. Il y en a encore un autre qui arrive. Je vais pas m'en sortir moi. J'ai récolté la marchandise mais je suis déjà trop loin. Attends, il y en a un autre. Ah oui mais il est bloqué par le relief, donc ça m'arrange.
Alors, avec cette confrontation de fous furieux, je sais même plus ce que je devais faire. Bah, explorer en fait, je crois. Alors, il arrive à m'allumer, mais je le vois pas. Ah, il est là. D'accord. Ah, c'est un petit scout, il va chiquer. Je partais à la découverte de la route en fait. Bon, faut espérer que je fasse pas d'autres rencontres comme mauvaise parce que. Il me reste un peu plus de la moitié du blindage, mais quand même. Alors attends. Oh la vache. Oh les salopards, péage. Ah, et c'est là que tu vas à la zone 51, d'accord. Au moins j'ai la route de la quête principale. C'est déjà ça. Ouais, attendez, je vais préparer ma flotte, ma bouffe. Et je commence à avoir faim. Je reviens, vous en faites pas, évidemment. Alors, est-ce que je peux mettre le jeu full focus? Je sais pas. Il va falloir que je le répare. Je reviens, 2 minutes. Thank you.
Alors, excusez-moi. Allons aux nouvelles de l'ami Fun Fan. Le Discord, il est là. J'ai hâte de savoir s'il a communiqué ou pas. Il a pas communiqué, merde. Oh. Ah oui, ça marche bien, effectivement. Merci, AJ Club. Bonjour à toi. Effectivement, ça marche bien. Ah, c'est cool, j'ai programmé mon Wisebook pour qu'il envoie sur mon Discord l'info pour que je suis en ligne. Au moins, ceux qui sont abonnés à mon Discord, vous aurez l'info. C'est sympa. C'est sympa. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est une manière de contourner la machine à fric de Jeff Bezos. C'est-à-dire que normalement, vous avez des alertes si vous suivez la chaîne ou vous êtes abonné. Je sais plutôt comment ça marche. Et si vous êtes juste inscrit, c'est gratuit sur mon Discord. Au moins, vous aurez l'avantage de. Oh merde, je suis en fâcheuse posture. Vous pourrez avoir la notification comme quoi je prends mon antenne sans que ça vous coûte le moindre peso, et c'est très bien comme ça. Alors marche arrière. Ah non, mais je suis passé sous la structure, mais comment j'ai fait mon affaire? Attends, mais c'est un bug là. Je peux pas revenir là, je suis dans la mouise. Attends. Destiny of Love. Ou alors j'étais victime d'un bug, je suis passé au travers du micro. Je sais pas trop comment faire. Oh non, je prends où? Ah, il m'a sucré toute ma découverte de la. Oh là là, même ma quête secondaire. Je recommence. Allez, on va se faire de la route parce qu'on aime ça. Je regarde l'heure à laquelle j'ai fait chauffer mon homme. À mon avis, je vous abandonnerai à 13h. Je reviendrai je sais pas quand, à partir de 14h. Je peux tout mettre par cœur. Pour ceux qui s'intéressent. Ça m'a pas compté du dommage, mais c'est drôle. L'arrivée fracassante.
Non, ça va, ils m'ont pas compté de dégâts. Je paie juste de l'essence. La bonne blague. Oh, oh, ce paysage. Pardon, j'arrête pas de bailler. Ah ouais, d'accord, c'est une ville, d'accord, ça va voyager. Ah, ils veulent que je patate un groupe d'ennemis. Et la carte, elle dit quoi? Ah ouais. Il y a une autre route que j'ai pas su. Parti pour bailler comme un sabot. Ok, tu vois. Bailler comme un sabot. Mais ça et ça, c'est une bête. Bon, c'est un peu escarqueux et encore, le terme n'est pas bon. C'est bien ballonné. Ah non, quand je peux pas l'endroit. Ah si, je suis de l'autre côté. Ah, je suis de l'autre côté de la voie en fait. D'accord. Oula. Voilà. Il ne propose pas d'entrer. Ah si. J'étais pas assez proche du... D'accord. Du lieu dit. Ok.
Ah bah c'est tout bénef pour moi ça. Ça c'est cool, alors ça il faut que je sauvegarde ça par contre. J'ai du mal à lire le terrain. La route elle continue en face. Nul le mec. J'avais bien déclenché la mission, mais c'était un temps imparti. Je l'ai tout décidé par là-bas. C'est évidemment pas un camp officiel, mais c'est pas une route. Mais ça fait pas plaisir, je suis pas sûr. Pourquoi j'ai plus de dommages? Non, c'est l'arbre mort qui m'a endommagé. Je pense que là c'est un précipice. Ah non. Non, non, je peux continuer mon périple. Et vu le radar, je rejoins la civilisation. Là, c'est presque un peu dommage que cette partie-là de la carte n'ait pas été exploitée. Là, du coup, ça fait un poil lunaire, mais bon. Ah, pas mal. Ah ouais, j'ai voyagé loin, dis donc. C'est complètement pété là, je fais le cheval de Skyrim. C'est... Je nique la physique du jeu, je suis un cheval, c'est un peu le cheval de Skyrim. Je laisse en roue libre. Je veux même pas lutter. Merde. Le camion a pris des dommages, tu m'étonnes. Ah
travaille à la civilisation. Ah, je vais foncer à la... Je vais pas foncer. Oh non! Oh le gadin! Non! Oh là là! Bon, Marc, je vais vite. Oh la faute! De la dangerosité de faire du hors-piste. Bon! On sent que je suis en petite forme, hein. C'est pas fameux. Allez. Quick, j'arrête la musique. Moi, je suis mon vilain. Bon, bah merci à toutes et toutes d'avoir regardé. Je reprendrai mon antenne d'ici une heure et quelques. Chez qui on va faire un relais de chaîne? Mais c'est vrai que je me sens barbouillé, c'est chiant. C'est chiant. Alors merci des vieux livres hein, pour le relais de chaîne tout à l'heure. C'est gentil tout plein, c'est adorable. Barbouillé, c'est chiant. Je fais rare. Je vais faire relais de chaîne chez Manon. Alors attendez, comment je peux programmer mon truc? Je sais plus. Elle est où mon interface? Elle est là. On va aller chez Miss Manon qui est adorable. Voilà, Junkie Cake, n'hésitez pas à regarder ce qu'elle propose. Elle est adorable. Une demoiselle qui vit à Londres avec son homme. Elle est adorable. Elle fait différents jeux, là, sur Disney, je sais pas quoi. Bref, bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je reprendrai mon antenne sur du Minecraft en début d'après-midi et puis on enchaînera sur la promenade à 17h30. Ciao, merci d'avoir regardé, bisous. Comment ça va? Bienvenue. Elle est adorable.